Et yo les potes, c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars et on va parler un petit peu de ma pseudo-absence ou de mon abandon si on veut. Enfin bref, on peut l'appeler comme on veut. J'arrête pas, hein, j'arrête pas Brawl Stars. Enfin, je fais une grosse pause en tout cas, je fais une grosse pause pour différentes raisons que je vais énumérer maintenant, juste avant de faire le pack opening. Comme ça, au moins, vous aurez tous les détails et ensuite, on partira sur le pack opening pour essayer de débloquer le nouveau brawler, bien évidemment. Alors, première raison, elle est toute simple en fait, c'est parce que je consacre mon temps de jeu à un autre jeu qui est Dofus Retro à l'heure actuelle. Si vous avez mon Discord, vous avez sans doute vu ma publication, donc j'ai partagé une publication pour expliquer pourquoi je jouais moins, et surtout que j'ai commencé Dofus Retro. Voilà, je profite de mon confinement pour jouer un petit peu à autre chose. Et Dofus, c'est un jeu qui demande beaucoup de temps. Donc, pour préparer ma team pour quand le confinement sera terminé. Comme ça, en fait, quand le confinement sera terminé, même si j'ai moins de temps de jeu, c'est pas grave. Ma team, elle sera déjà bien avancée. J'aurai plus besoin de jouer beaucoup pour pouvoir faire quelque chose de bien. Vous comprendrez par la suite, si vous voulez regarder les vidéos Dofus Rétro, vous comprendrez très très vite de quoi je parle. Et donc, voilà, c'est pour ça, en fait, là, je profite un max de jouer à Dofus Rétro pour monter ma team le plus vite possible. Deuxième raison, en fait, c'est parce qu'entre parenthèses, j'ai repris également Arena of Valor, sur lesquels je vais sortir quelques vidéos ici. Je vais reprendre les Trouve ton main, je vais reprendre les différentes ascensions, si on peut les appeler comme ça en classé. Enfin voilà, c'est un jeu qui a hype énormément sur ma chaîne. J'ai fait beaucoup plus de vidéos sur Arena of Valor en 2 jours que sur Brawl Stars confondu sur toutes les vidéos que j'ai. C'est incroyable, incroyable. Franchement, vous avez été des gros tarés, les gars. J'ai reçu je sais pas combien de commentaires. Il y a des gens qui sont venus me MP sur mon Discord pour me dire putain, trop bien, tu reprends du AOV, vas-y, refais ça, refais ça, refais ça. Enfin bref, ça m'a vraiment fait plaisir. Franchement, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues me soutenir et tout pour la reprise de Arena of Valor. Franchement, vous êtes géniaux. Arena of Valor, voilà, je vais reprendre. Et alors, ce qui se passe en fait pour le moment, donc c'est que Brawl Stars, en fait, tant qu'il n'y aura pas de mode de report, etc., parce que moi je commence à en avoir marre de tomber systématiquement sur des toupies là, en solo et en duo showdown, j'ai envoyé X record chez Supercell sur le support. Ils me disent que les preuves sont pas tangibles, alors que putain, on le voit sur la vidéo que le mec il tourne et puis ils arrivent à 4 sur moi pour me buter. Enfin, je comprends pas. J'envoie même après la fin de la game pour montrer, voilà, je suis mort à tel placement, on le voit bien que là c'est moi. Il y avait bel et bien 3 Léons, enfin bref, j'explique et ils me disent preuve pas tangible. Enfin bref, ça m'énerve, ça me casse les couilles, j'en ai marre, j'en peux plus de jouer à un jeu où la tricherie est autorisée et ça m'énerve. Voilà, ça c'est clairement le point qui m'énerve le plus. Le deuxième point qui m'énerve beaucoup, c'est les différents ups qui sont incompréhensibles sur votre jeu, les gars. Rajouter des PV à des tanks alors qu'ils sont déjà hyper chiants à buter. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus, les gars, on n'est pas là pour ça. Du coup, on va essayer de débloquer le brawler qui est complètement pété pour le moment, hein. On va essayer de le débloquer. Parce que, comme je l'avais dit à différents lives, j'avais expliqué que le brawler serait systématiquement pick en Brawl Ball lorsqu'il serait adapté parce que son mur fait pile la taille d'une cage. Alors, à ça, j'avais eu plein de réponses de gens qui me disaient: oui mais non, t'inquiète, c'est pensé, la balle peut passer à travers. Ah mais oui, mais le casseur de mur, t'inquiète, il va recycler son ulti aussi, donc il pourra le casser. Sauf que vous n'aviez pas pensé que il cycle son ulti plus vite que le casseur et que la balle ne passe pas à travers. Donc encore une fois, Bogdan, qui n'est pas partenaire de Supercell, avait raison. Donc je ne comprends pas comment les partenaires de Supercell, qui sont là pour justement expliquer les différents bugs, parce que leur but, c'est pas uniquement de créer de l'envie, c'est de pouvoir signaler une différente difficulté ou problématique qui pourrait y arriver dans le jeu à Supercell en leur disant: écoutez, j'ai testé le brawler, il est génial, les dégâts, je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu, hein, abusés, hein, on va pas se mentir, hein, j'ai pris des 4000 de dégâts là, la game précédente. Je vous montrerai à la fin de ce pack opening, les gars, je vous enverrai sur une game, les gars, vous allez voir à quel point le brawler est chiant. On disait que Tick était cancer. On a trouvé pire, les gars. On a trouvé bien pire. Lui, dans une semaine, il est nerf, hein. Une fois qu'ils auront touché à cette thune, il sera nerf, c'est sûr et certain. Et donc, effectivement, voilà, j'en reviens sur les partenaires. Pour moi, on me dit souvent, avec toutes les merdes que tu dis sur Supercell, généralement, tu seras jamais partenaire. Ben, moi, je suis pas d'accord, parce que pour moi, un partenaire Brawl Stars, c'est quelqu'un qui doit dire et qui doit donner de l'envie. Je vous donne envie, moi, tu vois, quand je fais mes packs opening, je vous dis: voilà, les gars, j'ai débloqué ça, je suis content, je suis très content. Le jeu, je suis content d'y jouer, parce que le jeu, effectivement, il y a une dynamique, il y a différents personnages, il y a 35 personnages à l'heure actuelle, c'est énorme dans un jeu mobile. Donc, le jeu, dans sa structure primaire, est bien fait. Par contre, il y a des trucs à améliorer qu'on demande depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, et qu'ils ne font pas. Et ça devient pesant en fait. Les gars, je me suis connecté avant-hier, heure de pointe, si on peut l'appeler comme ça. On est en plein confinement, les gars. Il était 15 h, plein confinement. J'ai 157 amis.
Il y avait 4 personnes connectées, les gars. Apparemment, il n'y a pas que moi que ça saoule. Tu vois ce que je veux dire? Hier, le nouveau brawler était sorti. Ça doit créer une hype, ça doit donner l'envie. 4 personnes de connectées. À mon avis, ils ont joué 3 fois contre ce perso-là. Ils ont dit, moi, je l'ai pas débloqué, je tombe contre cette merde, je joue plus. Et ça, tu vois, c'est une problématique qu'ils vont devoir prendre en compte parce qu'ils vont finir par perdre beaucoup de joueurs. Et je trouve ça un peu dommage parce que Brawl Stars, je trouve que c'est un jeu qui a de l'avenir, qui est très bien pensé, mais il devrait se mettre un petit peu plus à la place des joueurs casus plutôt que les joueurs professionnels et se dire que ben, les casus aussi ils mettent de l'argent dans le jeu pour certains et ils aimeraient bien avoir une expérience de jeu qui sera plus agréable. Enfin bref, on va passer maintenant à ce pack opening. Comme vous pouvez le constater, les gars, j'ai un petit point d'exclamation dans ma boîte de réception. Alors, c'est pas un skin, les gars. J'ai pas gagné de skin via quelque part. C'est juste qu'aujourd'hui, c'était l'épreuve qualificative qui pouvait être débloquée. Et du coup, on y est arrivé, les amis. On y est arrivé. Donc, pour continuer la route vers le championnat Brawl Stars, rendez-vous ici. Donc, je regarderai avec Alex et Chris, puisqu'on l'a fait avec eux. Donc, Alex va sortir une vidéo également. Il a filmé tout le marathon, si on peut dire ça comme ça. Je vous dis pas le score qu'on a fait. Vous verrez bien vous-même sur sa vidéo, vous irez voir. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment cool. Du coup, hop, on va se faire le pack opening. On va commencer par les petites boîtes. Je vais vous montrer un petit peu sur mes brawlers, les gars. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gadgets dans les shops. Parce que même si ça fait 7 jours que je ne m'étais pas connecté, tous les jours je me connecte, je récupère la petite récompense. Plus s'il y avait un gadget dans le shop, je l'achetais. Du coup, il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 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 9. 9 et le nouveau brawler, les gars. Il me manque un Star Power encore sur Jackie. Du coup, on espère bah, un maximum de gadgets, voilà, ce serait bien. On espère surtout le nouveau brawler et pourquoi pas le Star Power de Jackie qui me manque. Voilà. On est parti tout de suite, les gars, avec la petite box. On commence avec 48 pièces. Donc, bien évidemment, les amis, au début, ça va être des pièces, etc. Mais ça, on s'en doute, puisque j'ai tous les brawlers. Donc, il faudra s'attendre à ce que ça tourne très très vite si je veux le débloquer. Ok, 86 pièces d'or, c'est pas mal. 80 pièces d'or, c'est bien. Ça, c'est des moyennes qui sont très très hautes, c'est plutôt cool. 120 pièces d'or, ça, c'était une très très bonne moyenne. 73 pièces d'or. Et un gadget qui tombe, magnifique, le gadget de Shelly fait plaisir. Donc Shelly sprint vers l'avant en omettant un pas ou 10. Charge par partie 3. Donc ça fait plaisir. Le gadget de Shelly qui est très très fort, qui est l'un des meilleurs gadgets qui soit sorti sur le jeu. À n'en pas douter. Ok, du coup on a déjà chopé un gadget, ça fait plaisir. 62 pièces d'or. 58 et 5 gemmes, les gars. 5 gemmes, ça fait plaisir. Donc, en contact de gemmes, les gars, vous pouvez regarder. Hein, j'ai 556 gemmes. Autrement dit, franchement, le jeu a été plus que gracieux avec moi lors des derniers pack opening. 3 gemmes de plus, comme vous pouvez le constater. Effectivement, j'en chope pas mal. 66 pièces d'or. Allez, toujours pas de nouveau brawler en vue. 43 pièces d'or, 3 gemmes. 112 pièces d'or, c'est plutôt cool. 49 pièces d'or et 3 gemmes. Donc vous voyez, je vous mens pas. Hein. Les gemmes, j'y vais, les gars, j'y vais vraiment bien là. Et 53 pièces d'or. On va s'ouvrir les grosses boîtes, les gars. J'ai 10 grosses boîtes pour créer l'exploit une fois de plus sur cette chaîne, les gars. Vous connaissez ma chance légendaire. C'est rare quand je fais un pack opening et que j'ai pas ce que je désire. Et là, je veux absolument le nouveau brawler. C'est parti. 106 pièces d'or, pas d'objet restant. 235 pièces d'or, pas d'objet restant. 112 pièces d'or, 8 gemmes. Pas mal. 111. 133. Il reste 5 grosses boîtes, les gars. 5 grosses boîtes pour créer l'exploit. 187 pièces d'or. 115 pièces d'or. 3 grosses boîtes. Allez, le jeu. 99 pièces d'or. 173 pièces d'or. Est-ce qu'on va y arriver, les amis? Dernière boîte. 122 et 5 gemmes. Malheureusement, ce ne sera pas pour aujourd'hui, les amis. On est à 578 gemmes, les gars. On a chopé quand même le gadget de Shelly. Donc, à n'en pas douter, c'est un super gadget. Du coup, on est quand même
assez content. Dans le shop, les gars, il y a la possibilité, donc pour 350 gemmes, d'avoir le nouveau brawler. Donc voilà, on verra. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je craque. J'ai beaucoup, beaucoup de gemmes. Donc voilà, elles ne me servent à rien de toute façon. Les skins, moi, voilà, j'en achète pas pour autant. Du coup, voilà, dites-moi dans les commentaires. On va simplement aller voir. C'est là, je pense qu'on peut le voir. Je suis à combien pour une mythique? 0,26. Ok, donc c'est quand même pas mal. 0,26. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je débloque avec les 350 gemmes ou si on le tente à la dure hein, avec les boîtes, tout simplement. Voilà les potes, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser ici avec le gameplay en musique et en accéléré donc d'une partie qu'on a jouée contre le nouveau brawler pour vous montrer à quel point il est fort, pour pas dire cancer, hein, clairement. Très content d'avoir fait les 15 victoires du coup. Je vous laisserai aller voir du coup sur la chaîne de Luc Alex les gameplays, comme ça vous aurez le tout. Il a commenté et tout en plus, donc voilà, il a fait un petit montage, etc. Donc les gars, franchement, allez soutenir, mettez un maximum de pouces bleus, ça lui fera certainement plaisir les gars, parce que ça demande du temps, c'est ses premiers montages, du coup ça lui demande beaucoup de temps, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne pour aller vérifier les différents gameplays qu'on a réalisés et voir si oui ou non on a fait un petit 15-0. Voilà, allez voir. Je vous en dis pas plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit sur Brawl Stars, Arena of Valor ou Dofus Retro, voire même Hearthstone qui a sorti une nouvelle extension. Les gars, je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'Hearthstone a sorti une extension et elle est phénoménal aussi les gars, donc ça me donne trop trop envie de jouer à Hearthstone aussi. Voilà, j'ai plein de jeux auxquels jouer, donc voilà, je vais me faire plaisir. Je vous fais plein de bisous les gars, je vous dis à très bientôt et d'ici là, restez chez vous, bien safe les gars, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Let's have a